Mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Parce que nous sommes sur Battlefield 1. En sachant que c'est la première fois que j'allume le jeu. C'est pas beautiful? À peine visible. Là, il est à peine visible. Ok. Haut-parleur moyen, haut-parleur petit, casque, nanana. Je suis à haut-parleur grand. Pour l'instant. J'espère que ça s'entendra pas trop dans le micro. Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur Battlefield 1. Je l'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir. Et du coup, je vais couper mon micro, je vais vous laisser écouter. La petite musique qui le fait tellement bien, quoi. Peut-être baisser un peu le son. Vous avez vu ces graphismes, truc de malade, sans déconner. Battlefield 1 est inspiré d'événements réels qui ont eu lieu il y a un siècle. Plus de 60 millions de soldats moururent, connurent la guerre qui mettra fin à la guerre. Il n'y a pas mis fin. Tu m'étonnes. Mais elle changera le monde à jamais. C'est ce qui s'est passé. Attendez, je regarde un petit peu les limites. Viens ensuite les combats sur la ligne de front. On ne s'attend pas à vous voir, à vous revoir en vie. Ouais, c'est sûr, il y en a qui en sont sortis. Normal, allez. Mon grand-père a fait de la résistance. Pour la petite anecdote. Donc voilà. Ah, bonjour. Ah ouais, bah oui, je commence directement par le tutoriel d'office. Alors, ça c'est touche là, d'accord. C'est plus ou moins les mêmes touches que Call of. Savoir que c'est mon premier Battlefield. Je n'ai absolument jamais joué à Battlefield. Donc je tiens à vous préciser. Je vais baisser un petit peu le son encore une fois. Ok, alors, où sont les ennemis? Ils sont là. Alors, je vais peut-être augmenter la sensibilité par après. Ah, ok, je dois pas sortir. Bonjour. Ok, ok, ça commence très mal, ça commence très mal, ça commence très mal. Ça commence super mal. Ouais. Toi tu dégages, toi tu dégages. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Raté. J'ai entendu un truc sur Steam, mais bon, je suis sur Origin, donc ça marchera pas. Ok, lui est mort. Lui aussi, merci. Recharger, c'est sur R. Il y en a un qui est passé par là. Avec quoi? Je dois pas avancer? Faut continuer à tuer des Allemands comme ça? Ouais. Wow, putain. Je n'ai plus de munitions. Je présume que notre destin, c'est de se voir mourir. Faut croire parce que la musique diminue. Ok, ça bug. Déjà, ça commence bien. Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage, notre grande aventure. Wow. Laissez-moi vous le dire, ça n'avait rien d'une aventure.
attendez, parce que je dois gérer le son de... je dois gérer le son en même temps. Je présume que ça s'enraye du coup, alors on va faire gaffe. Je trouve l'ambiance du jeu est... déjà, on voit que c'est un jeu très sombre, parce que bon, la guerre, ça n'a pas été très drôle. Enfin, je dis ça, mais je suis en train de tuer tout le monde. Wow, ça commence fort, ça commence fort. Ok, j'ai un fusil à pompe. Ça ne marche pas comme Call of. Ça ne marche pas comme Call of. Ah, ça commence bien. Bonjour. Non, ça marche pas du tout comme Call of. Bonjour. Au revoir. Alors, là, je suis mort. Willie Jefferson, 1918. De nouvelles machines de mort. Il avait 18 ans. On modifiait la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. Ok, c'est pas moi qui dirige le char. Bon, là, c'est la partie tutoriel où il a pas l'air d'aller bien, le gars. Ah non, non, tire, je vais éviter de tirer sur la ligne. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est dur. Oh, il y a les alliés partout blessés comme ça. Ah, il est tué. Boum. Oh, lui, il a volé. Il est sombre. Ça, ce jeu, il est sombre. Ah, ok, je peux changer d'arme comme ça. Change d'arme. Non, je peux plus. Je peux plus. Ah, si, comme ça. Non, mais je sais pas qui c'est qui est en train de me spam sur Steam là, mais je ne peux pas lui répondre. Oh là là. Moi, je tire au pif. Ok, là on n'avance plus. Je suis un peu mal mis. Waouh. Merde. J'ai déjà tiré là-dessus. Ça marche? Non, ça marche pas. Ah si, j'ai touché un truc. Bonjour. Voilà, toi t'es mort. Je dois viser une tour. D'accord, quel tour exactement, je n'en sais rien. Ouais. Allez hop. Le jeu est sombre. Hein. Mais quelle pièce de campagne? Ah, cette pièce là, merci. Je la voyais même pas. Ça commence bien. Ok, c'est parti. J'espère juste que le son ira, parce que j'ai pas fait de test de son, parce que je voulais vraiment commencer en même temps que vous, donc je m'attendais pas à cette phase tutoriel, je m'attendais plutôt à un menu multijoueur, campagne, etc. Donc j'espère que vous me tiendrez pas trop rigueur. Oh putain, les alliés qui sont tués. Oh là 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 là. Enfin, les Battlefield, ils sont connus pour ça aussi. Genre ça. Je peux comprendre que c'est une... Allez. Oh punaise, alors attention. Et voilà, encore un. Mais bon, de certaine manière, c'est réaliste, hein, parce que beaucoup de personnes sont mortes durant cette guerre. Nous avons connu la peur. Oh putain, les gaz moutardes, oh non. Je ne peux pas viser avec. Ok. Je peux faire du corps à corps. Ouais, F comme ça. Ok. Ah, ça c'est fait. Je suis nul. Ça c'est fait pour mourir aussi, hein, cette campagne. Vous voyez à quel point je suis pas doué, hein.
peut-être mettre... Faut mettre des headshots en fait. Vas-y, recharge. Wouah, du sang sur l'écran. Vous voyez quand on vise trop. Qui recharge. Merde, je suis vu. Ok, wow, je l'ai même pas vu arriver cette balle là. Oh là là. Ok. Wow. Wow. Est-ce que je panique? Non, je panique pas. Et voilà, je suis encore mort. Mais c'est bien, ils ont mis des noms pour tous les trucs. Et à chaque fois, je réapparais dans un autre soldat. Wow. En VR, ça doit être juste incroyable. Wow. Il pousse. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasé et naïf. À la fois homme d'honneur et criminel. Nous sommes des légendes à venir et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. Waouh. Alors là, je n'ai jamais joué au BF, mais là je suis scotché. Il n'y a pas d'autre mot, je suis scotché. Waouh. La guerre s'est étendue au monde entier. Vieux empires et nouveaux mondes. Vieilles méthodes et idées nouvelles. Toute l'humanité a combattu. Pour la liberté, les traditions, l'orgueil national, le progrès. Les valeurs éprouvées, la voie nouvelle. 100 grandes idées nous ont amenés à faire la guerre qui devait être la dernière. Et le monde a viré au rouge. Et bien voilà. Donc, voici la page de sélection des niveaux de Battlefield 1. Et bien écoutez, on va s'arrêter là. J'aurais démarré le jeu avec vous. Donc, bien sûr, vous allez vous attendre à avoir du multijoueur très bientôt. Je vais pas faire le solo parce que, d'après ce que j'ai compris, Nono va se lancer dedans. Donc, je vais lui laisser l'honneur de vous montrer, de vous faire découvrir l'histoire. Moi, pour ma part, j'essaierai de faire un petit peu de multi ou quelques parties de temps en temps. Et bien sûr, je vais découvrir ce jeu, apprendre à jouer et profiter parce que il m'a l'air d'être juste magnifique. Aussi bien au niveau graphique, au niveau historique, ça a l'air d'être un jeu vraiment très poussé.
Donc je sens que je vais bien profiter, tout simplement. Donc ça dit, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, donnez-moi des conseils sur la manière de jouer au Battlefield. Si vous avez des conseils, si vous voulez me parler un petit peu des autres jeux, ben n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos sur Battlefield 1. Allez, ciao tout le monde.